Vous savez, c'est très dangereux de nous nourrir les animaux sauvages. On n'est pas au Kenya, c'est pas un lion! Il reviendra pas, l'écureuil, c'est le même, c'est des rats avec des grandes queues. Ça pique-tu? Un petit serment? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, quand mon fils a demandé pour avoir des ustensiles, on lui a répondu, ta mère aurait dû t'en donner, il n'y a pas de napkin, pas de napperon, pas d'ustensiles, donc on mange avec nos doigts. Mon fils de oui. Quoi? Et voilà, on lui a dit de manger avec ses doigts. Des duotang! 17 duotang! 17 première année! On a des journalistes de profession depuis 40 ans, ils n'ont pas un maudit cartable! C'est tout poigné sur des feuilles de papier puis mal fait. 17 duotang, check l'arbitre, il y a quelqu'un qui me frappe. Ce qui est le plus petit, c'est le calendrier scolaire. Attendez-moi, là. On va vous montrer des outils pédagogiques de raccrocheur. J'ai ça ici, là. Ça ne devrait pas tarder. Vous avez 17 ans ou 35 ans. Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Baisse, baisse, baisse. Des pétoufles. Oui, madame. Des pantoufles. T'as 17 ans, t'as pas fini ton secondaire 5. T'as 35 ans, t'es marié, t'as 3 enfants. Tu veux retourner à l'école parce que tu veux avoir une chance dans la vie. La première affaire qu'ils font, ils disent, ça te prend des pantoufles pour entrer dans la classe. Vous me croyez pas? Passe-moi ça. À l'école, en vol. Retour à l'école pour des gars de 17 ans qui en palette comme ça, qui ont le califourchon rendu au genou peut-être, qui veulent essayer d'avoir une chance dans la vie. Bien, il y a une direction d'école qui n'est pas assez intelligente pour ne pas salir les planchers, ça vous prend des pantoufles. C'est sérieux, là. Des pantoufles. Il y a un gars de 17 ans qui n'avait pas ses pantoufles. Bien, ils l'ont mis en retenue. Mon fils de oui. Quoi? Des duotang. 17 duotang. On n'est pas au Kenya. Donc, on mange avec nos doigts.